Nelson Yandila, Coco Yasuka Moka. Ashka, Ashka, Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Mama mana este bobatelama, bobatelama nanzame o. Mama mana este bobatelama, bobatelama nanzame o. Akuna na yeduri bobatelama, bobatelama nanzam na lelio. Beni masisi. Shaba motema pasie bana buna kana e sambe alola abatela bino sambe ostandima beta 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 matusa beta matusa e e fartese l'équipe en casse la police nationale mama yo yo. Mama, Christian Chiwewe, le Jene Jene, patriotique. Ah, Kembo, ah, Kembo, pot. Tomalanda, a Kongo Mongali. Kanisa kanzoto eza kotonga Boye baka lokuta Ebo makanzoto Nana lelio. Que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Défendons la patrie. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, deux vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants, vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants fardessés et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Batela Ekolo, Bendele Koyate. UEBS Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Un autre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacao. Avec BioHebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques. Et ça, aucun effet secondaire. Et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai.
bienfaits et pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nous sommes aussi en France et en hors des Congos. Il est possible d'étudier. Cher partenaire Digilink, il est temps de passer à autre chose en rendant service et en faisant l'argent avec Digilink. Votre site numéro 1 mondial d'envoi des colis directement avec le voyageur. Tout commence par un simple lien. Vous êtes voyageur? Faites-vous de l'argent pendant votre voyage, en allant et retour, que ce soit en avion, en train, en bus ou en voiture entre différentes villes, en acceptant de prendre un ou des colis sur Digilink. Fini les allers-retours incertains à l'aéroport pour trouver quelqu'un voyageant pour livrer votre colis à un parent, un ami ou un proche. Dans le futur, consultez gigilink.com avant d'effectuer un voyage dans n'importe quelle ville. Chez Gigilink, vous êtes partenaire, vous êtes votre propre patron et c'est vous qui fixez les tarifs. Que vous soyez conducteur, voyageur ou expéditeur de colis, Gigilink est pour vous. www.gigilink.com. Il est possible d'étudier ou scolariser votre proche dans une université canadienne, américaine, britannique ou française. Globedu Solutions est votre partenaire privilégié pour ce parcours. Nous vous proposons la gamme des universités adaptées à votre profil, niveau d'études et moyens financiers. Depuis la soumission du dossier, les tests exigés jusqu'à l'obtention de l'inscription, un consultant vous prend en charge et vous entraîne au respect des standards exigés afin d'obtenir les meilleurs résultats. Une seule adresse, www.globedus.ca. Numéro d'appel, plus 1 63 99 99 66 53. Écrivez-nous à info@globedus.ca, nous vous répondrons dans les meilleurs délais. Avec nous, étudiez à l'étranger et scolarisez vos proches en toute confiance et transparence. Globedus Solutions, le travail de pro, en partenariat avec le groupe HK Today Holding. Voilà, madame et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today. Nous sommes là aujourd'hui encore pour quelques minutes dans notre programme, toujours sur l'actualité de la RDC et de la région de Grand Lac. Je pense que vous allez très bien. Lobito, mon anarité, c'est bon. Comprenez que moi, Makamboza est belé. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler, échanger autour de la RDC, autour de questions essentielles. Les lots sujet Nabisso. Ah, to relaxabino sujet Nabisso. Nous nous posons des questions sur est-ce que ces scandales Oyo Mama Olive Lembe à Betty Libisso. Scandale Mama Olive Lembe à Betty. Alors, elle est toujours dans les scandales. Nous allons vous montrer pourquoi nous appelons ça scandale. Alors, je pense que vous allez très, très, très bien. Alors, pour commencer, je pense que beaucoup d'informations sur l'ensemble du pays, beaucoup de commentaires sur les lots vraiment togo-melate, mais nous avons deux sujets. Sujet Liboso et Zali, Oyotogo-lobela, Makamboya, Mama Olive, Ningazana Kata scandale. Sujet Yami Balé et Zali, la guerre, cette guerre qui se mène entre les Congolais et les Banyarwanda, Banyamulenge, qui sont aussi des Congolais, mais qui sont en train de combattre les Congos. Je vais vous montrer à quel niveau se trouve la situation aujourd'hui, et peut-être, Soko Landi émission aussi ici, je pense que vous allez avoir une autre manière
de comprendre les choses na na katia nini et puis mutuna muta kozo engagement na ye. C'est comme ça que très souvent, comme on a toujours dit, en parler, c'est agir. Donc, je vais vous retrouver tout de suite dans ces magazines. Alors, avant Tobanda, comme toujours, est-ce que vous pouvez me faire plaisir? Il y a qu'au partager d'abord émission Oyo. Faites-moi plaisir de partager cette émission partout où vous êtes. Est-ce que vous pouvez me faire plaisir? Il y a qu'au partager émission Oyo. Alors, à partir d'Angola, Banangola, je vous salue. Et Janine Tabouya, Azo apparaître en vert. Est-ce que, chers amis, vous pouvez aussi apparaître en vert? Je vais vous montrer comment rejoindre notre famille, rejoindre notre groupe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous allez sur notre chaîne. Vous allez sur notre chaîne. Je vais vous montrer, excusez-moi. Je vais vous montrer, parce que dans la bande de Kwebele, je vous montre très rapidement avant Tobanda émission. Donc, vous êtes là. Donc, vous êtes là. Et je ne sais pas comment est-ce que moi, je n'y arrive pas avec ce téléphone. Je vais vous montrer comment rejoindre. Bon, je vais vous montrer. Mais de toutes les façons, ce qu'on peut y placer, côté Bakomi abonné, au moins Bakomi abonné, mais côté Moussous Bakomi rejoindre. Donc, il y a place Mokoka. Donc, allez-y. Jusque-là, nous avons tout Moko à rejoindre la famille Nabiso. Et ça fait quand même pas bien, quand même. Hein? Et donc, ça l'a bien. Alors, nous continuons avec ces magazines en disant que Bandeko et les États-Unis taxent, ils ont continué. Donc, Bozala très prêt, puisque taxes, ils ont continué. Bozala toujours prêt, puisque d'ici les 15, dans 10 jours presque, on termine. Alors, appelez, cliquez dans le lien, vous avez le lien, et puis au commis, code de taxes, vous avez HK. Vous pouvez appeler, tout comme vous pouvez chercher dans les liens, et tout va bien se passer. Bandeko bazo somati ou du thé contre maladie wana ya sucre. Bato bazo somba thé contre maladie wana ya sucre. Ou babandi déjà kozwa. Na lingi bopé sa biso témoignage. Ou nan bozu thé. Vous prendrez les numéros qui sont là. Les aki bisika moussousou, bato alobi lo azu thé. Bon, mon numéro est sur les cas. Et donc, Botalanano, bah, numéro Isolekawa, bah, numéro Onyos Bazana thé, et en même temps Bazana cacao. Mais pour l'instant, je parle pour du thé. Du thé, Ezali, Nganalingi, Naibik de santé, Zalaranaprite. Essayez, Bolanda processus, Nalingi Bobozong, Awa, Bo témoigner pour encourager les autres. Nasanabisubino que ça fait 6 mois, produit Wanabaye Langayam. Je ne souhaite pas parler de ça à la télévision. Ce qui n'a pas été évité, quelles sont les preuves? Prévenir que les produits ont ça. Mais, tu peux dire que les patients, les gens sont malades et nous avons conviction, nous avons résultat. Je pense que je vais vous donner les témoignages. Bon, mais vous avez un numéro, appelez et puis faites votre commande. Je pense que nous allons vous mettre toute une série de témoignages comme ça pour comprendre que ngai na koyela bino info ya lokutate ya mabete. Alors, merci beaucoup. Alors, pour commencer, token de tout droit na but. Pour commencer, tolali to la moki. Ndenga na lobaka tolali to la moki. Tolali to la moki. Total aboye, Maman Olive a sali sorti moko. Maman Olive l'aime Kabila. A sali sorti moko. Je vais vous montrer quelque chose. Maman Olive l'aime Kabila a sali sorti. Sorti naïe. Alors.
à sali sorti à l'obiboye. Kenda qui naïste du pays. D'abord, avant de tout ça, qui magazine Moko pour pendant qu'on décrypte information autour du premier ministre. Tolobit sait tout ce que nous pouvions dire. Toloba qui autre qu'on connaît Toloba. Mais j'ai vu qu'il y a nos camarades de l'opposition qui m'appellent pour me dire que Beta, la dame a déjà échoué. On a le but quoi? Elle a déjà échoué. Non, non, ni Moussalate. Elle a déjà échoué. Ni na salaki na ministère y a plan pour que les lotos aient quelque chose na ministère na yé. Na primature. Moi, ce que je peux dire est que na lingite koza la fanatique y a madame Oui. Na zaka pe fanatique y a mon touté. Mais ce que je peux dire est que Owana bazo bengango trouble de l'opposition. Il n'y a pas une école où on apprend à être premier ministre. Et puis, bato baso le cas, soko yoki, oya le cas, zalaka premier ministre, azonga, zalaka premier ministre, azonga, trois fois, quatre fois. En RDC, zalaka toujours tendance, il y a ma relation premier ministre avec le président. Ce n'est pas un problème. Donc, j'étais en train de parler de cette dame. On a baoué baye billeté. Yende mama, premier ministre Nabisso. Alors, moi, je souhaite que Tokoriko ça le bilan y a mutuna no abani musalate et de la rater. Et puis c'est impossible en fait. Tokoriko banda bilan y a mutuna no abani musalate, c'est grave. Alors moi, je souhaite tout peu ça les chances. Tout ça la 100 jours. C'est ce que je dis dans les émissions passées. Tout ça la 100 jours total. Est-ce que à cause de la hauteur, est-ce que ma idée naï y a liboso Tokoriko se plaît nan. Mais faire un bilan maintenant qu'elle a déjà échoué, bêta, on a un bêta. Gaï na bêti. Que on a un sentiment na moutou na yo que a ça échoué. Ce n'est pas comme ça qu'on peut aimer le pays. Donc voilà. Je voulais ne pas faire un débat là-dessus. Mais na linga kinde, na sunga bande konyos, ouyba monique. Bon. Échec et ça y a batoutou, to peut s'appeler maman chance. To le bela. Maman Olive Lembe Kabila. Maman Olive Lembe Kabila, je pense que tu as eu un écran à Sima. Ce qui est mon maman Olive Lembe, a bimia na Sima, a zalaki na meeting na barcan de réfugiés na est du pays. Maman Olive, c'est la femme Otoebi, moi aussi officielle, y a papa. Papa Kabila Kabang Joseph. Alors, le maman Olive Abimi a sololi na batuna kan. Boyoka scandale. Na kosola na ye, maman Olive revient pour la troisième fois. Alors, baki deux fois avant que Fatia zala élu. Na koloba na ye, elle a toujours insisté en demandant que bat tout basala nyonso pour que Joseph Kabila azonga na pouvoir naye. C'est qu'il y a une déclaration politique, il y a bien, mais lelo a bébisi. Lelo a bébisi. Bien sûr, azo senga na batu. Bosala tout, Kabila a reprendre pouvoir. Aye ko bakisa lobi, boyo kanga bien. On aurait na linga kande koko ma place en dengwana. C'est en swahili, je vais traduire. Toyoka nanu mama waro denge azoloba. Et ceux qui comprennent, je vais faire la traduction. Suivant un peu ce que maman Olive dit ici. Je vous invite à suivre. Kila mutu aikale na kimya mukashamba yake. Watoto waende kwa masomo. Na nazani alifikisha ile ahadi zote zenyewe alituahidiaka sie kama population. Bongo? Ndio. Silikuwa vile? Ndio. Akaunganisha inchi,
Batu walikuwa hawawezi tena kuvoyage kutoka hapa Goma kwenda Kinshasa direct, ilikuwa mpaka uanze kupitia uzunguluke Nairobi ufanye. Alors ici azolo baboye tata waro puisque ye aza mama waro asunga kimboka pacifier mboka oye zalaki ke batu pona ko tambola na RDC ifo ba baluka baluka na kata ya region de Grand Lac wa msubale kele na Rwanda wa msubale kana Burundi bale kana Uganda ainsi de suite tata Kabila bilan o ya makasa sala yangwana. Je vous laisse continuer. Masiku ngapi ya safari njoo uende kufika Kinshasa. Lakini yeye akavirudishisha vyote. Itakuwa sawa. Ni huku njoo nilikuwa nasikia mama kumufikishie baba yetu shukrani yetu paske alimaliza vita na Bike. Alors, ici scandale yangwana. Azolo bela likamboyo ya Joseph Kabila Kabange. Alobi pe bisika to akenda ka batupe basenga kai. Me ye ayebi ke Joseph Kabila Kabange asilisa bitumba na mboko yo seulement na stilo na ye. Na bike na ye. Seulement na bike na ye. Donc Kabila a pacifié mboka. Kabila a silisa bitumba izalaki na mboka seulement na stilo na ye. To silisa video. Bila nini? Alimalizaka vita na nini? Bila a silisa bitumba na nini? Oh mama Olive. A silisa bitumba na na silo. Bandeli le sauce. A silisa mona nini na silo. Bila nini? Mwenyeko na sikio kusikia. Mwenyeko na macho ya kuona. Oya zana micho ya kumona, amona, oya zana mato ya kuyoka, ayoka, oya zana motema pe ya kusalela, denge pe balobaka, asalela. Alors, azo continue. Sasa, penye tunarudia tena leo mu situation yenye tuko ndani. Kweli, mimi nabapatia rekomandasyo hii moya. Tuombe Mungu atusaidie. Mungu aturudishie Joseph Kabila Kabange. Alors, lelo na zongi lisusu, pona kosola na bino, epi pona kosenga bino, kopesa bino rekomandasyon moko. To senga na tata Nzambe asunga biso, asalisa biso, purke nani azonga Joseph Kabila Kabange azonga na pouvoir na ye. Je pense que c'est l'essentiel. La Bouddha anaweza kutusaidia. Mungu anaweza kutusaidia kupitia Joseph Kabila Kabange. Ile Bike, ile Syria, ile Bike nyani mupatiaka. Aimupatie tena juu hii mateso iishe. Alors, alobi tokosenga na Nzambe asunga biso, azongisela biso Joseph Kabila. Joseph Kabila asalela biko oyo Nzambe apesa ye wana, apesa ye lisusu biko wana, pour que bitumba esala nini esila. Je pense que c'est l'essentiel, oyo maman a biso alobi. Mais je pense que na lingite soki peut-être na zobeta masolo oyo bandeko ya Kabila mingi babenga kanga babi yo yo yo. Mais ici peut-être je comprends que vous avez un problème. Mais moi je n'ai pas problème puisque moi j'analyse ce que maman est en train de dire avec beaucoup de respect. Na insulte à mon tout. Mais je sais que maman est en train de nous mentir. Et puis, ce que nous dit que maman a zoko sabiso, cela ne veut pas dire que j'ai manqué du respect. Non.
je parle beaucoup, avec beaucoup de respect envers toutes nos mamans. Maman Olive est en train de nous mentir. Elle nous ment comment? Alobi, Kabila, résultat na ya munene ya makasi, ça ya ko pacifier Mboka. Et puis je me demande ce qui c'est réellement Joseph Kabila sur la rana moisinaye. Je ne sais pas. Puisque c'est vraiment dans ses idées, c'est le jour et la nuit. Dans les idées de Maman Olive. C'est comme si bala la ganda ko morote. Parce que quand les gens entrent dans une même chambre, ils se disent des choses. Aouébi, on a réussi la mission. Au Penda, ils ont objectif, ils ont résultat. Il y a ma casse depuis, ils ont pouvoir. Ah bon? Dis-moi comment ça s'est passé. Aouébi, que tu as dit, collègue, pendant qu'il y a des Bujumbura, il faut collègue, pendant qu'il y a des Norivu, il faut qu'on ait un Rwanda, Nasunga, Natonga, peut-être Nzela, ou soit Nasunga que Batubale Kela. Est-ce que c'est ce que son mari lui dit ou Yemoko a créé Agabiloko na Mutunaye? Je vais expliquer. Chers amis, moi j'ai fait cette route ici, Kolongwa Sud Kivu, Okende na Nord Kivu, Nzela Yakale Wana, Ezalaki Bakouper de route, Ezalaki pendant période ya Bitumba, Ezalaki passe puisque RCD Azalaki na côté naye, Nani MLC Azalaki na côté naye, RCD KML ainsi de suite. Mboka ezalaki mwa muke ya ko katana. Pacification oyo mama azosa la allusion, c'est le dialogue intercongolais oyo pour eux, Kabila a accepté de céder une partie de son pouvoir. Alobi nandimi na tika une partie de mon pouvoir. Mais mama ici nani mobali na yo akosaki yo. Chers amis, si Kabila est arrivé a cédé une partie de son pouvoir. Bakoma, président Moko, avec 4 vice-présidents, ce n'était pas la volonté de Kabila. C'était une imposition du Rwanda. Puisque Kabila était à Tali, il voit son père assassiné par les Rwandais. Et c'est avec les mêmes Rwandais qu'il est venu en RDC, c'est à prendre ou à laisser. Tu dois passer par nous intégrer. Comme ça, Tozong et la Masolo, Ndenge Tobanda qui n'a papa Nabino. C'est comme ça que Kabila a cédé. Kabila vendi la yé mokote à Bengi Bango Alobi, Boya, ainsi de suite. Basalie menace, Babi, si tu ne cèdes pas, nous arriverons jusqu'à Kinshasa. Et nous allons multiplier les efforts. Kolekao, yo, biso, yo, nanga, yo, biso, yo, la biso, barouande, toya qui n'a pas Kinshasa. Et c'est comme ça que Kabila, se trouvant devant un fait accompli, Jean-Pierre Bemba Péazo Kana Kote Naye Rouge, Alobi, à cause de vous, je cède ça. Mais pour bien céder et donner l'essence à ce que nous faisons, Société Civile Pébazala, Jean-Pierre Bemba Pé Lokola Zay, une bonne partie, soutenue par l'Ouganda, et puis Bissos Rwanda, comme ça, tous Dwandambu, Ndambu, Ndambu, et puis Tosilis. Et c'est comme ça que les choses se sont faites entre l'Ouganda, qui avait déjà des troupes sur le sol congolais, et les Rwanda, au sein de un pays au sein duquel évoluait Kagame, comment dirais-je Kabila. Kabila n'a rien cédé, n'a volonté n'a à la mouké à l'obi, je vais laisser une partie de mon pouvoir, comme ça, Nabima, pacificateur. Ce n'était pas ça, maman, on vous a menti. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, maman à l'obi, Kabila Joseph a terminé la guerre avec les stylos. Oui, maman, Kabila Joseph a terminé la guerre avec les stylos. Mais stylo wana o esanza kawana mayamabe. Et là, tout de suite, tenzia, bato nyos ba kwa kola kawa. Eh non, Kabila, militaire a silisa bitumba na nini. Alors là, je comprends que biso tozaki na conception moussous. Tobundisa M23, bakenda, na bitumba. Nzoka, ce n'est pas ça. Kabila yebisi maman. Alobi, non, Nansala bitumate. Stylo de Silisa Makambouana. Chers amis, si je suis à côté, dites-moi. Donc, Mzé Laurent, Raïs Kabila Kabange, a dit sa maman que, na Silisi bitumakuna, na stylo. Alors, biso tout désormais, tout le monde a dit que Kabila, a bundi M23,
Bisque na yo kakawa. M23 de fin en 2013. Lelo Tshisekedi de ayeko bimisango. Bomoni makambo M23 basalana Joseph Kabila. C'est les stylos. Mais les stylos là veut dire il y a eu des accords. Mama Zouasko, stylo wana, batia yango sur un papier. Maman, stylo, oh mobile na salé là. Na 2013, batia yango sur un papier. Stylo et zamundurite. Stylo marche de pair avec un papier. Prenons les papiers sur lesquels votre mari a mis sa signature. Maman Olive, prenons les papiers sur lesquels votre mari a mis sa signature. Chers amis, je ne souhaite pas revenir sur ces accords de 2009 et l'accord de 2013 qui a poussé les M23 à abandonner les sols congolais et retourner pour se préparer et venir selon l'accord de 2013. Maman Olive, j'ai passé 2 jours ici en train d'expliquer l'accord de 2009 et l'accord de 2013 qui exige que cet accord de 2013 ne peut avoir un sens que si l'accord de 2009 est mis en exécution. Mais si quoi il y a 2013, papa y est qu'au baby c'est les sous. A baby c'est les sous. Stylo na yewana, il a signé pour céder une partie de la RDC au Rwanda. Le lobo bozonge la tena sima yanini ke atika ki bitumba le lo chisekedi nde ayeli biso bitumba biso babimi na 2021. Kabila leur a dit clairement que pour l'instant laissez-moi d'abord organiser des élections na kende bino boya ko réclamer accord na bino wana avec l'autre qui vient, moi je suis dépassé. Et cet accord là maman, il y a 2009 dit que on prend le Nord Kivu et le Sud Kivu, on fait une zone autonome sous la supervision, il y a Barwandais qui dirigeait cette partie du pays. Et une zone est autonome, et cause à l'administration autonome, na police autonome, na armée autonome, na service de renseignement autonome, na programme y a développement pour ces deux provinces autonomes. Alors dites-moi, quand vous prenez ce stylo-là, vous signez, alors que c'est une partie qui est riche de la RDC. Ma province, on a 5, il y a richesse, il y a nord et sud qui vous. Les lots ont vanté stylo, il fallait même pas évoquer ça. Tolongo a toyé en 2013, les Ratsali 2009, il leur a tout donné. Il a donné cette partie dans l'administration il y a Rwanda. C'est comme ça qu'il y avait. Ils avaient près de 15 000 hommes. Ils faisaient payer des taxes. Donc, tout était déjà mis en place. Chers amis, posez la question aux gens qui ont vécu de 2009 à 2013, même 2008, dans le territoire Yamasisi, Rutshuru, Niragongo, une partie. C'était un pays autonome. Je suis arrivé à Masisi. Maman Olive, avec les stylos que votre mari a utilisés là, je suis arrivé à Masisi. Bayambinga, à peu près, puisque quand je reste dans la salle d'attente, ma tante, il y a ma militaire, je reste là, je vois les généraux de votre mari. Obaganga kana Kinshasa, Nkunda, c'est un ennemi juré. Bazokota bazobima soki bakoti bakosala ta une heure ma solo vena mesa bazobeta et quand ils sortent ils arrivent du côté de la RDC Nkunda est un ennemi. Voilà les silos que votre mari a utilisé. Alors je reste là, interview on a 22h 23h. Je te conseille de ne pas aller chez vous là-bas puisque vos militaires vont te déranger à 7h. Donc et le matin, quand tu vois tout ce qui se passe là-bas, c'était le Rwanda. Biloko Yagolia, d'abord les militaires, tous les Rwandais, en tenue du Rwanda, la langue du Rwanda, comment dirais-je, la nourriture du Rwanda, l'administration qui était là, c'était le Rwanda. Quoi autre?
C'est surtout votre silo-là que vous vantez maintenant. Alors, chers amis, nous sommes en Tongo. Ok. Puisque Nabutu va tout côté Nabino. C'était une partie déjà partie. Toi, en 2013. 2013, aïe, qu'on allait dépasser, aïe, je vous ai donné en 2009. 2008-2009. Pourquoi vous continuez toujours? Si vous avez un peu de qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute? Au lieu de deux provinces, de là qui Nord et Sud Kivu, on ajoute sept. Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema, Tanganyika. Et là, c'est quoi? Maintenant, là, ce que Monique, tu sais que je n'ai pas utilisé ce stylo pour ça, puisque je disais que je suis en train de dire où. Maman, je ne souhaite pas passer le temps sur cet accord de 2013. Alors, Mobali nanga silita bitumana silo. Mobali voyant silo à salela ka izalaka silo modi. Il le regrette. Maman dit au kanano, soki moto silo wana, o tsangi ni tsusuma sa le silo wana soka tsongi na pouvoir. Maman zo senga basa le tsutu silo wana. Regardez après avoir signé avec son silo là. Ici, il est à Goma. Voici ce qu'il dit. Voici ce qu'il dit. C'est là où j'aime bien, moi j'aime bien à comprendre les choses de cette manière-là. Maman, je vous donne ce son ici. Oyoka, l'homme avait utilisé son silo. Non, Oyo et Zapenza Koloka. Bon, si je vais aborder la question, Moussousou, je pense que j'ai encore 5 minutes. Toyoka, les silos qui a été utilisé, les silos qui a été utilisé par Mama Oro. Ah, alors si il en est ainsi, je pense que surtout il faut toujours tout ça les stylos. Ok, alors, je vous fais écouter Joseph Kabila. Après avoir utilisé ce stylo-là, on va se faire un peu de ça. Alors, si vous pouvez écouter, chers amis, calmement écoutez ce que Kabila dit. Alors, Maman Olive Lembe Kabila, celui qui parle là, c'est votre mari. Il dit, Bana Yago Maboza Moto Moto Makasi. Mais je dois vous dire que la guerre se prépare. Okola Mokale Lote, Osa la guerre. La guerre se prépare. Donc, ce qui est dans la région là a été préparé, soigneusement préparé. Alobi, je regrette l'erreur que nous avons commise en 2009. Maman Oyoki Stilo Ozo Bantewan, il regrette
d'avoir utilisé ces stylos. Mais c'est le même stylo que vous nous promettez que Nzambe tosunga tosanga na Nzambe atusaidie to azongsela yeli susu stylo wana. Maman monite ko zo mema RDC na malédiction. Moto ya salela stylo azo regretter pourquoi salela stylo wana. Si ko lelo zo senga que azonga na pouvoir asalela le même stylo. Non. Moko kindo ki peut-être il faut que ko pesa moko mo mosusu. Joseph Kabila regrette les raisons parce que tozu wa rugaruga yo te wana. Donc tozu to signé na 2009 accord. Accord veut permettre que tous les bandits botu na baswahili ce qui a bengi que batu wana baza ba azo benga bango wa rugaruga. Je ne sais pas quel est le vrai sens. Oh yo, tu vois que ça na nanine. Alors, tous les bandits wana, cet accord leur a permis d'entrer au sein de l'armée congolaise. Kabila regrette d'avoir signé, d'avoir utilisé ce stylo maudit. Est-ce que Bandeko Basoil, beaucoup sont habitués à terme Kabila a utilisé wana? Tu peux avoir un babandi ou de. De quoi laïque l'émission puisque peut-être maman Olive a reçu la tête bon jouer la lien bon pessaye alors c'est quoi bon on a dit son téléphone et Zalaki Nango quand même c'est alors bon papa Lobby hein? Je regrette cet accord que nous avons signé en 2009 il a permis aux bandits d'entrer dans notre armée. Siko yo yebisangana no depuis 2009, 2013, bakota na armée, babi majorni. Ya yebi que ce sont des bandits, a yebi que ce sont des tueurs, a yebi que ce sont des terroristes. A kote se bangon armée. Siko babi majorni. Donc baza, toujours dit l'élo. Alors s'ils sont juste là aujourd'hui, et que nambo mousous ba o babi maki, na 2013, ba zong babi, to zong la akoro na biso, ana to zong bisika na biso, apesa ki biso, epa ya Kabila. Yango ba zong sa la bitumba. Est-ce que bitumba na eza ya moto, eza na pouvoir maintenant, ou eza ya moto yo, qui regrette aujourd'hui jusque pour nous dire que, qu'est-ce que vous dites là? Bon, je pense que, Walugaluga sont des étrangers, voilà. Awa, ndekomoka suribiso na traduction ya bien pona o etali walugaluga. Ne ya bengi walugaluga. Donc, asaleli el na Kinyarwanda. Parce que normalement, c'est walugaluga. Ya lobi walugaluga. C'est pas moi qui le dis. Si vous voulez que je remette encore le son, je le mets. Alors, maintenant, batongo bayaki. Je vous montre. Et le même jour, après ça, ceux qui étaient en tenue de l'armée rwandaise ont changé tout de suite. Ils entrent dans l'armée congolaise. Maman Olive, ça, c'est ce jour-là. Donc, Batiki, tenue na bango armée rwandaise, et ils entrent dans l'armée congolaise, ils deviennent des Congolais, et c'est ce jour ici où chacun pouvait prendre les noms de Ilunga, Kabasele, Masumbuko, Nani, Mbongompasi, Kind, tous les noms. Donc, ils n'ont pris que la tenue et les noms, chacun avait le choix de prendre son nom pour avoir son ID. Maman Olive, dites-nous, Bato Union Subakota, Basiba Bimakan, est-ce que vous avez dit nombre de Bakote là? Est-ce que yebi jour babima? Parce que mon bal na lobi tozo ba étranger, tozo ba bandi, to kote sa ba mon armée. Je regrette ça. C'est ce qu'il dit dans cet élément. Je vais commencer à vous faire toutes les petites vidéos ya mikuse, comme ça vous allez comprendre comment les choses se passent. Vous partagez. Parce que ici maman Olive est venue nous provoquer. Maman Olive est venue provoquer les Congolais. Peut-être écouter qu'est-ce qu'ils pensent. Maman Olive, ces gens sont entrés. C'était entrée sans retour. J'ai une vidéo ici.
Je ne sais pas si YouTube va nous permettre y a qu'on accède vidéo en plus que vidéo en est à Africa News quelque chose comme ça. Et ils enlèvent les trucs y a Rwanda bah côté Sango bah tout ça bah ils traitent y a nini y a RDC au Bachana Bilamba. Bakota depuis Bakota Tilelo. Si quoi les lots bah yé les sous retourne bah poser bango question. Pourquoi vous faites la guerre? Est-ce que vous leur avez déjà posé la question? Pourquoi vous faites la guerre? La seule réponse, Maman Soko Yébité, nous avons l'accord il y a 2009, il y a Botaki 2013. Nous avons appliqué Yango, fini la guerre même aujourd'hui. C'est fini. Et vous demandez que Kabila revienne, prenez le même silo. Maman Olive, Non. Nous avons 120 millions de Congolais. Papa a sali, tana y a sali et sili. Le rôle accueilli, c'est vraiment dengue. Au moins le bisole, tout ça qui te longue minu. Au coquin de tel côté, nani. Sans ça ils ont l'allé là. Au bois qui les nous rendra au lobby maloba. Soke kei na likala, soke kei libela. Donc, na ebite par quel miracle que Joseph Kabila y faut aya. Puisque l'erreur grave que Kabila a commise toute sa vie à la tête du pays, pendant 18 ans, il regrette ici d'avoir signé cet accord-là. La lingite kobimisa korwana, puisque ils ont énervé ma Congolais, Kabila accepte d'avoir signé ça. Les lois yoko l'obake, c'était une erreur. Si vous avez l'obité, erreur, oui, mais on a dit ça, c'est le même stylo. C'est toujours, donne encore au Rwanda tout ce qui leur manque, comme ça, Basile Sabito. Maman Olive, c'est une insulte, ça. Moi, je pense que c'est une insulte. Il faut se cacher. C'est toujours une sortie médiatique. Au Robin, c'est pas ma caméra. C'est toujours une personne qui parle. Mais quand vous emballez tout comme ça, je pense que, et ça m'a manqué pas si, il faut que vous trouviez la communication. Alors, chers amis, j'étais en train de dire pour terminer avec cette émission, il y a une bataille, il y a ma caste ici, ici en RDC, ici en RDC, pour la bande de Tobengi, Banya Rwanda, Banya Mulenge, c'est comme ça qu'ils sont. Oye Batikali, Awa, depuis que le président de la République, avec son gouvernement, balongoli moratoire contre la peine de mort, ou pour la peine de mort. Donc, balongoli moratoire pour la peine de mort, et le quoi, mais la tiens, on a bandé, on a Rwanda, ou Kabila, côté sa signature, na silo na yoana. Balobi, si ils ont fait ça, c'est uniquement la cible, ce sont les Banya Rwanda. Oh, il y a États-Unis, Tomoki, si lundi, lobby, ils ont fait encore une grande manifestation et voilà, noir sur blanc, une preuve qu'on va nous exterminer dans moins peut-être de 3 ans. Notre peuple n'existera plus en RDC. Moratoire, Rwanda, Basale Langobiso. Ils ont écrit, depuis le début de cette année, si na minute, on a dit ça l'émission, ils ont fait des lettres. Et les qui attendent 5, Batindi na sénateur, Batindi na Maison Blanche, les appelant en urgence de venir en RDC sauver Batouana, puisque peine de mort au Balobi et Zaponabango. Et là, moi, je vous pose la question. Les Congolais, vous êtes où? Batou, Baibi Kokoma, Bino Baibi Kokoma. Non, nous, ces gens savent écrire. Ils écrivent des lettres. Nous, on n'est pas capable d'écrire aussi. Regardez. Ils ont écrit. D'ailleurs, je suis en train d'accumuler toutes leurs lettres là. On n'a pas accusé de réception là-bas. Parce qu'on appelle Nazakuna. Nazanabang. Même ce qu'on va éviter. Regardez ça, je peux vous donner quelques exemples. Il y a ma lettre. Oyezo Tambola. Bureau Nyonson aux États-Unis. AWP. Ngaï. Natikali ce matin à Zuango. Je vous montre ça un moment, donnez-moi quelques secondes. Ces gens ont écrit.
Et ils sont en train de se mobiliser maintenant pour sur le botal où les lettres aient les quantièmes. Vous pouvez voir ça. Bon, je vous mets tout. Botala, tout ce qu'ils ont pu faire. Ok, je vous partage ça, Botala, dans un exemple. Parce que je parle avec raison. Et si vous, vous êtes Congolais, vous savez comment écrire. Nous avons une liste de sénateurs qui ont vu ma lettre dans Bangoro. Nous avons eu chaque jour. Et puis avant-hier, Joe Biden, ne ferme pas tes yeux. On tue en RDC. Alors ici, moi, je vais conclure en disant, regardez, ça c'est la lettre de... Parce que j'en ai beaucoup. Oh, il y a Datlin. Oh, le 22 mars 2024 ici. Il y a quelques jours, non? 8 jours. Ici, ils ont accusé Tshisekedi du début à la fin. Voilà, lettre Nabango Yango. Donc, des accusations ou des accusations. Ici, ils ont envoyé à qui? Ils ont envoyé, voilà. Est-ce que beaucoup de gens placent dans le bota là-bas? Tout le monde a assez en copie. Mais on va boire. Balobi, réactiver les plans de désarmement et rapatriement de FDLR, donc oui, bah, recommandation à Bango, à l'ONU, qui continue à coaliser avec les milices locales, faisant des Tutsis congolais leur cible permanente. Cela aiderait à bien accomplir sa politique. Ici, on accuse Tshisekedi, Never Again, dans la région de Grand Lac. Il est établi que dans l'est de la RDC, la violence actuelle, bon, ils ont dit beaucoup de choses ici. J'ai vu même, ils ont accusé Bitakwira, ils ont accusé Jean-Claude Katende, ils ont accusé... bon, alors, maintenant, Botala Siko, je pense que au Bazana Sa, Bazaba Sénateur, au Batindeli. Copie pour information. Mikanda Onyo Sezo Kendena Nanini. Copie pour information. Boromona Kezana Sénateur Marsha Blackburn, secrétaire d'État à Washington, Anthony Blinken. Molly Foué, assistant et secrétaire d'État en charge des affaires africaines basée à Washington. Ils ont écrit à l'ambassadeur de la RDC à Kinshasa. Ils ont écrit à la collectif Nabango, il y a un avocat en charge qui sont pour les Banyarwanda en RDC. Alors, en RDC, ils ont écrit, je pense que vous allez voir, puisque les amis Mike, les places, Baye Kolobela Makambouya, peine de mort, voilà. Ah ouais, ça c'est la nouvelle lettre, où tout le monde a accusé réception, ce que vous allez cacher, et ça, il y a accusé de réception. Où l'ambassade de la Suisse, le 23 mars 2024. Où accusé de réception à l'ambassade de la Suisse. Où Nathan va accusé de réception à l'Union. Alors, chers amis, c'est peut-être pour vous dire que ces choses ici sont en train de prendre une autre dimension. Ici, nos frères et sœurs disent que on tue. Il y a le génocide de Banyamulenge en RDC. C'est une occasion pour nous, pour appuyer cette lettre auprès de toutes ces institutions, pour dire oui, conformément à Mukanda, il y a Banyarwanda, Bakomelibino, il y a génocide en RDC. Puisque tout le monde est d'accord que les Banyarwanda en question sont des Congolais. Kagame est d'accord. Tout le monde est d'accord. Donc, si ces Congolais disent qu'il y a génocide ici, acceptez ça aussi comme ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je ne sais pas si vous me comprenez. Ces gens sont en train de confirmer qu'il y a génocide en RDC. Même s'ils veulent
singulariser ces génocides et comme il y a communauté moko. Il faut renforcer leur thèse qu'il y a génocide en RDC, extermination, il y a minoritaire. Bisotoebis à toutes les institutions que, oui, ils ont dit vrai, il y a génocide en RDC. On s'arrête là. Si vous avez des doutes, allez voir la lettre de Banyarwanda. Puisque les Banyarwanda en sont tués, et ce n'est pas seulement les Banyarwanda, et génocide existe, ce n'est pas seulement les 300 personnes Bazolo Bawana, mais ici, il y a 12 millions. Sauf que Boyoka Bakongole n'y ont sauté, Boyoka Bangok, il y a génocide en RDC. Venez. Comme ça, vous venez, vous valisez ma Congolais, vous voyez, génocide en Outouapi. Est-ce que j'ai raison de prendre leurs lettres et confirmer au monde qu'il y a génocide? Les Banyarwanda vous ont écrit avec beaucoup de détails. C'est vrai, il y a génocide. Venez intervenir. Qui tue? On n'a pas seulement tué 300 qu'ils évoquent dans leurs lettres. On a tué 12 millions. Mais qui tue? C'est là que la question aura l'essence à Tolobeleango. Mais bisous, waouh, ma commis pendant lettre, waouh, avec des détails. Ok, lobby, honoré, ok, ça va, lobby. Lobby n'a rien à sujet, moussous, tobosanyoy. Est-ce que vous pouvez prendre, copier ces gens-là, leur écrire au nom de la communauté congolaise? Ben, on va commis au nom de la communauté Tutsi. Écrivez au nom de la communauté, toutes les communautés de l'Est du pays. Les Nandes écrivaient. Écrivez. Moutouna yeta bozaleli. Boebi communauté congolaise nyons. Boebi sénateur nabino. Bokomi. Et puis bozali en référence lettre nabango qui confirme que peut-être vous avez déjà reçu certaines lettres d'une des communautés de la RDC qui confirme qu'il y a génocide en RDC. Venez voir, il y a génocide. Et en venant, nous allons tous établir la responsabilité. Qui tue en RDC? Ces gens sont en train de préparer pour nous les terrains. Bon, Bakani, c'est pas toi accusé de ça. Alors qu'ils nous aident, ils aident à la communauté internationale, que venez là-bas, on tue. Mais dans leur entendement, c'est autre chose. Mais dans mon entendement, ils nous aident à faire comprendre des tueries qui passent en RDC du Rwanda. Et là, ils prennent le Rwanda, mais vous êtes des Congolais. Quand les autres Congolais vous disent qu'on tue en RDC, ce n'est pas seulement au Nord Kivu, ce n'est pas seulement au Sud Kivu, mais on tue en RDC en général. Et les pays qui tuent, c'est le Rwanda. Vous vous dites non. Donc, je pense que Togo tika la tête, l'obaka l'obaka. On peut rester, on peut prendre des dispositions. Il y a que tout avancer dans la réflexion, tout en boca. Chers amis, voilà un peu. Regardez les Congolais, ces Congolais de bonne qualité, Oyo, qui savent qu'à l'Ojalobak. Ramsès Soamulumba, les Congolais de bonne qualité. Oui, donc au Congo, 12 millions, mais lui, n'a pas eu l'inaïe puisque. Omoniba a écrit dans la t-shirt na Yewana, il a évoqué les noms de toutes les chaînes qui ont mobilisé pour cette mobilisation. Je suis très fier de toi, mon frère, pour cette mobilisation. Ça, c'est une reconnaissance. Oyongai na koki ko bosanate. Dès qu'on a vu ça à l'obiboui. Alobi, les chaînes qui sont là, Atangi H4D Ezaya Liboso, Likoloana, Atangi Chancela Chala, Atangi, je ne vois pas bien, peut-être Natala Lissoussou, Atangi ma chaîne, Atangi Yeba TV, je pense, Atangi Basangwa Congo, il y a Nani Atangi Tango Ikoki, ya Atangi Blaise Mokenge, et vous allez comprendre que il a commencé par remercier les chaînes qui mobilisent en RDC pour dire on tue en RDC. Chers amis, quand je vois quelqu'un à la Mourki, à Kessal sa t-shirt,
à reconnaître que à cause, grâce à HK Today, aujourd'hui, cette campagne est debout. Et ainsi que d'autres chaînes de télévision. Je vois que c'est, il ne m'a rien donné, mais moi, je pense qu'il m'a beaucoup donné. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne reconnaissent pas ce combat comme ça. Donc, il sait que Ndenge Toza, moi, je vous demande toujours, toutes les occasions à revendre. Sinon, stylo est quoi, les colonnes à tout vendate. Mettons-nous debout. Il était seul. Hein? Ce gars était seul. Moutou a tindelingani noyo. Aout a tindelingana Kampala. Abi bazanango. Bon, Monique. Et Ashka Today biso tolandaka wa tala moutou. Nathalie moutou na ebi. Wapi na Las Vegas. Alors, je vous demande, chers amis, Ata Yomoko, vous pouvez faire quelque chose. Ata Yomoko. Ce qui te l'obit, tout l'alli, c'est mis. Avec pression, bateau, bazo, nango, mais bah, moussous, bazo, bazo, nango, bazo, kana, et yali, tout, consigné, c'est fini. Donc, programmer Marchouana, bon, salut vidéo, bon, tindi, et le kina chaîne, ça va faire vraiment du bien. C'est ma manière de contribuer, c'est de vous motiver toujours. Nenge, tout motivaka. Nous n'avons pas besoin, pas question, et à revendre. Toroza la tozo au Canada sur le plan politique, mais sur le plan il y a seul Congolais. Il faut toyokan. Il faut tout multiplier. Namoni ba toba community ko lemba. To vandate. Sinon stylo ezoya. To vandate. Sinon stylo ezoya. To tsik zaka makambo ngomba la moko. Oya kokoma. To kota na ba biro na biso. To koma. Ata to komi na français. To ibi minoko na bangote. Baza na ba traducteur ba ko traduire. Tu reçois la lettre chaque mois. Tu l'as dit que c'est trop. On tue en RDC. Bon, j'ai une lettre dans la banque à Banyarwanda pour annexer. Bon, ils ont écrit. Mais Bango, bah, bon, ça n'y a pas de souci. Puisque tuerie est à la place de mon côté. Tuerie, c'est une bonne partie. Et ce n'est pas seulement dans ces temps ici. Oh, bah, ça n'a ni peine de mort. Non. Déjà 12 millions. Peine de mort, on a peut-être tué peut-être 10, 20, 30. Mais il y en a déjà 12. Silence, Nabino, nous inquiète. Ces gens-là seront confondus et guérisés à Moulay. Donc, chers amis, chaque semaine, Bino Bozan a une manifestation, comptez sur HK Today. Ceux qui t'ont sali bon côté, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Alors, je souhaite m'arrêter par ici pour aujourd'hui. Bonjour à l'émission, bon père, sa maman. Maman Olive, ayo kananu bien. J'ai beaucoup d'éléments, on a continué les contrats, on a, bah, corona, nyonso, bah, vidéo, mobile, naya, lobby, azoa, bah, bandi, bah, étranger, à quoi ça, bah, on a nini, il les regrette. Je peux tout lui donner, tout, tout. N'a quoi ça, la ta paquet, y a, bah, vidéo, n'a bah, image, n'a bah, photo, même à ta, y a 50 éléments, n'a tindeli. Comme ça, comprendre que, mobile, naya, dire au monde que le mari retourne là où il était, c'est insulter la population congolaise. C'est vraiment insulter la population congolaise. Donc, voilà. Je vous aime bien et je vous souhaite toutes les bonnes choses du monde. Partagez l'émission, likez l'émission, puisque je sais que la machine de Maman Olive n'acceptera pas que ma vérité au Nyon Sebim. Et tout font ça. Alors, merci. Je pense que pour aujourd'hui, on s'arrête par là. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Et je vous souhaite toutes les bonnes choses du monde. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et à demain pour le prochain numéro. Et bonne soirée chez vous. UEBS Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Les bio-cacao possèdent des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles et puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou de conservateur. Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède ou du lait, profitez d'un tendre goût des cacao. Avec BioHebs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive.
30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire, sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire, et qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait et pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension et le diabète. En tant que médecin, je vous conseille d'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nous sommes aussi en France et en RD Congo. Chers partenaires Digilink, il est temps de passer à autre chose en rendant service et en faisant l'argent avec Digilink, votre site numéro 1 mondial d'envoi des colis directement avec le voyageur. Tout commence par un simple lien. Vous êtes voyageur? Faites-vous de l'argent pendant votre voyage, en allant et retour, que ce soit en avion, en train, en bus ou en voiture entre différentes villes, en acceptant de prendre un ou des colis sur Digilink. Fini les allers-retours incertains à l'aéroport pour trouver quelqu'un voyageant pour livrer votre colis à un parent, un ami ou un proche. Dans le futur, consultez digilink.com avant d'effectuer un voyage dans n'importe quelle ville. Chez Digilink, vous êtes partenaire, vous êtes votre propre patron et c'est vous qui fixez les tarifs. Que vous soyez conducteur, voyageur ou expéditeur de colis, Digilink est pour vous. www.digilink.com. Nelson Yanzila, Coco Yasuka Moka. Ashka, Ashka, Today, Honoré Kabongo. Les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama, bobatelama nazame o. Bamamana este bobatelama, bobatelama nazame o. Kunana yeturi bobatelama, bobatelama nazame. Naleliyo. Beni masisi. Shaba motema pasie bana buna kana e zambe alola abatela bino zambe kostandima beta 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 matusa beta matusa e e fartese l'équipe makasi la police nationale mama yo yo Mama, Christian Chiwewe, le Jene Jene, patriotique. Ah, Kembo, ah, Kembo, pot. Tomalanda, akombo mongali. Bakanisa kazoto eza kotonga Boye bakalokuta Ebo makazoto Nana leliyo bolingo ya papa e Papa Batela zoto e Yango ezali tepelo ya molimo Molimo monsatu e Sanjoli esonga na yo zakoma na toli okoto na zakoma ye 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 yo yo oh
Alléluia, Nzambe na Congo, Nzambe na Nguya, Atonda na Bolingo, Yonde mosatu heto kumisio, Moko na Congo, Atonda Bolingo, Mwana na Nzambe, Obongi na Kemo. Tu es malheureux,